Salut à tous, c'est Panic. On se retrouve pour la suite de l'aventure survie sur Space Engineer, comme tous les jeudis. Et aujourd'hui, on va continuer la structure du vaisseau. Et là, j'ai décidé de le déplacer de l'astéroïde pour tout simplement avoir une meilleure vue d'ensemble et pour mieux le réparer. Donc, je me suis aperçu que déjà, il n'y avait plus de marche arrière. Du coup, on peut simplement se décaler sur le côté, comme ceci. Hop. Et comme vous le voyez, ça va pas très vite. Donc ça risque d'être assez dur. On voit bien, on met énormément de temps à freiner. Ça risque d'être très très dur à manœuvrer. Mais même s'il faut vraiment que je change d'astéroïde, ça risque d'être assez dur. Et j'avais pas vu aussi derrière, ça a été totalement creusé. Donc je pense que je vais aller reboucher ça tout de suite. Hop, on va aller s'occuper de derrière, puisque si le réacteur nucléaire est touché, on serait vraiment très mal. Je pense que ce serait l'explosion du vaisseau instantanément. Donc on va aller voir ça. Et là aussi, au-dessus, ça a été bien arraché. Donc on voit bien que je me suis décalé. Et on va aller réparer ça tout de suite. Ah ouais, non, là je suis sur la... J'étais sur le lightbox du réacteur. Hop. Donc je pense qu'il devait... Il devait y avoir avant d'autres trucs comme ça. Enfin, d'autres blocs en faisant un angle. D'autres blocs qui faisaient de l'angle, pardon. Il me semble qu'avant il n'y avait pas ce trou là. Ou alors c'est moi qui hallucinais, mais je me demande si c'est pas l'astéroïde qu'on a vu s'écraser dans l'épisode précédent qui a causé ces trous. Hop. Voilà, donc là on est à peu près réparé. Du coup, on va commencer par poser des petits blocs légers. On va changer la couleur, on va les mettre en blanc. Et donc, on va faire comme ceci. Et il nous faut aussi des petits angles légers qu'on va tourner comme ceci. Et voilà. Déjà, on arrive à quelque chose d'un peu mieux. On va souder ça rapidement. Hop. Voilà. Et voilà. On a soudé ça très rapidement. Et le mieux, ça serait de continuer juste en faisant comme ça. Et en rebouchant comme ceci. Ou peut-être... ouais, non, peut-être pas. Ouais, si. À la limite, on pourrait faire... Pour que ça résiste un peu mieux. Souder ça. Hop. Y remettre une couche après par-dessus. Pour être vraiment sûr de la résistance. Hop. Parce qu'il faudrait pas que le vaisseau explose par ailleurs, ça serait quand même assez embêtant. Hop, hop, et hop. Et voilà, on va souder ça. Hop, voilà, j'ai relancé le chrono. J'avais encore oublié, comme à peu près à chaque fois. Voilà. Déjà, on a rebouché l'arrière du vaisseau. Donc comme ça, ça évitera de se prendre un coup dans le réacteur à l'arrière et d'exploser tout le vaisseau. Ce qui est déjà pas mal. Après, ici, on va essayer de reboucher ça rapidement. Alors, il faudrait couleur noire. Comme ça, j'essaie de respecter à peu près les couleurs.
Hop. Voilà. Ici c'est refait, c'est nickel. Là c'est, il y a un trou, je ne sais pas pourquoi. Donc on va remplir en bloc blanc. Ah, on a plus, j'ai déjà plus de plaques. Comme quoi sans plaques ça part assez vite mine de rien. Donc ça devrait être juste au-dessus, dans la salle des assembleurs. K, à chaque fois j'oublie la touche. Plaque d'acier, donc on va... 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'en ai refait une centaine. Hop, et je cherche... Hydrogène. Comment est-ce qu'on fait de l'hydrogène? Parce qu'on voit déjà qu'on peut faire des bouteilles d'hydrogène. Mais... il n'y a pas de générateur d'hydrogène. Du moins, il n'y a pas d'argent pour l'instant. Il faut du nickel et de l'argent, ouais. Du coup, je pense qu'il n'y a pas moyen de... si on veut choper de l'hydrogène, il faut faire un générateur d'hydrogène. J'en sais rien, en fait. J'en sais strictement rien. Va falloir que j'aille voir sur le wiki. Je vais aller voir ça tout de suite. Je vous reprends juste après. Voilà, alors j'ai trouvé sur le wiki assez rapidement... et en fait, il se passe que l'hydrogène se gère comme l'oxygène. Et donc, il faut des bouteilles. Et je me pose la question de, est-ce qu'il n'y aurait pas déjà des bouteilles dedans? Oxygène, oxygène, oxygène. Non, il n'y en a pas. D'accord, l'uranium est directement envoyé dans les... on peut pas le stocker. Ah, mais on a un peu de sylve. Ça me fait peur, puisqu'en fait, je suis en train de me demander si on va pas... parce qu'en fait, l'hydrogène, ça sert pour le jetpack. Et sans jetpack, en fait, on est plutôt mal. Donc, faut que j'aille voir niveau production. Qu'est-ce qu'il faut pour une bouteille d'hydrogène? Il faut de l'argent et du nickel. On a du nickel, mais on n'a pas d'argent. Oh là là là, ça c'est déjà, ça sent pas très bon. J'aurais peut-être dû m'en soucier avant. Puisque, ouais, du coup... puisque du coup, sans hydrogène... ouais, en fait... on a le jetpack qui commence à bugger, je crois. J'en sais rien. Ouais, si, ça commence à bugger. Et évidemment, j'avais pas prévu le coup. Du coup, on ne peut strictement rien faire. Ouais, on voit bien que... il n'y a plus rien dans le jetpack. En fait, il s'éteint et s'allume tout seul. Et évidemment, il n'y a pas de silver. Sinon, ça aurait été trop simple.
Tant pis, il va falloir faire. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire, mais bon, le seul moyen que je trouve, c'est ça. C'est de creuser à travers l'astéroïde pour essayer de trouver. Trouver par pur hasard. Par pur hasard de l'argent. Même si ça risque d'être assez compliqué. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de silver. Ouais, sinon si c'est vraiment possible d'en trouver, je vais modifier les paramètres de la... Ah, en plus j'arrive plus à avancer là. C'est vraiment affreux. Ouais non, je pense que j'arriverai à rien. Ouais, parce que du coup là il y a que de comment dire, il y a de la glace, de l'iron, mais à aucun moment il y a de l'hydrogène quoi. Du coup bah je pense que j'ai un peu mal prévu le coup. Je sais pas trop comment faire là, je réfléchis. Parce que vu qu'il y a vraiment rien sur l'astéroïde. Bah déjà il faudrait que j'arrive à me mettre à l'abri, mais il n'y a plus rien sur l'astéroïde. Du coup je pense que je vais... J'en sais rien en fait, comment je pourrais faire. Puisqu'en fait il n'y a vraiment rien qui puisse m'aider. À moins de me cheater. À moins de me cheater, comment dire, de l'hydrogène. Enfin, pas forcément de l'hydrogène, mais. Une hydrogène. Une bouteille d'hydrogène, quoi. Parce que là, il n'y a que de l'oxygène. Mais à aucun moment, ils m'ont prévu de. De prendre. Des bouteilles d'hydrogène, donc de l'argent pour pouvoir les crafter, et du coup moi je suis bien embêté. Puisqu'en fait là il se passe que j'ai juste du silicium mais j'ai pas d'argent et il y en a pas sur mon astéroïde. Du coup je pense que je vais m'en give. Je vais essayer de voir pour faire ça. Donc du coup, je vous retrouve juste après. Voilà, alors je me suis cheaté 1000 de minerais d'argent. Du coup, on va aller rapidement les mettre dans la raffinerie. Qui est là. Hop. Et on va placer l'uranium. Enfin, d'abord, il faut arrêter la machine. Off. On va placer l'uranium ici. Enfin, on va placer l'argent là et on va échanger les deux. Comme ça, ça va recharger en priorité. Ça va recycler. Oula. Raffiner. J'ai vraiment du mal là. Ça va raffiner en priorité l'argent. Et je vais pouvoir créer une bouteille d'hydrogène dans l'assembleur. Donc K. Je sais plus, je crois qu'il fallait 200 de...
Je me souviens plus, on va voir ça. Pour faire une bouteille d'hydrogène, il faut... Ah non, il faut un lingot d'argent, 3 de nickel et 8 de fer. Du coup, on va prendre l'argent et on va prendre le nickel. Et on va aller à l'assembleur. Hop. On va faire un petit cas. On va placer le nickel et l'argent. Et on va lui demander de nous faire une hydro... ouais, deux, tant pis, c'est pas grave. Et voilà, il nous les a directement enlevés, évidemment. Où est-ce qu'elles sont parties? Oh là là là. Bon, on va désactiver le système de convoyeur sur l'assembleur. Et on va en refaire une que je vais prendre avec moi. Tant pis les autres, je sais qu'elles sont pas perdues. Tant pis, je l'ai désactivé du système de convoyeur, mais bon, il n'a pas envie. Alors, il va falloir que j'aille les trouver. J'ai aucune idée d'où elles se sont mises. Mais j'ai peur. Tiens. Elles sont dans le générateur d'oxygène. Ok. Donc on va les chercher. Rapidement. K. Et voilà. On est enfin tranquille. On a remis l'hydrogène à fond. Et le jetpack va arrêter de se couper sans arrêt. Voilà. Nickel, donc maintenant on a réglé le problème d'hydrogène aussi. Bon, j'ai dû me... C'est vrai que j'ai dû me cheater. Me cheater de l'argent, mais bon, sinon c'était, ça allait être vraiment très pénible. Et donc, je sais pas comment j'aurais pu faire pour résoudre le problème, mais bon. Voilà, c'est pas grave, n'en parlons plus. On va rester sur les choses principales, c'est-à-dire continuer de réparer le vaisseau. Et donc là, c'était du noir. Enfin, d'abord, il va falloir souder tout ça. Hop. Et voilà. J'ai déjà plus de plaques. Bon, je vais en faire 1000, je pense que ça devrait aller. Juste avant, je pense que je vais faire une petite chose. C'est que je vais détruire le petit conteneur. Voilà. Et je vais le replacer à l'intérieur du vaisseau, à l'abri. Donc peut-être juste là dans l'angle. Juste avant, je vais demander à l'assembleur K de me faire des plaques. Encore. Voilà. Je lui ai demandé de me faire 200 plaques environ. Et... maintenant, on va pouvoir... Enfin, d'abord, il faut que j'aille récupérer les plaques. Ouais, moi, je pars sans les plaques. Ça. Hop. Voilà, 180 plaques. Et maintenant, on va poser tranquillement le conteneur juste dans l'angle de la porte. Small. Ah bah, d'accord. Convoyeur d'extraction... petit convoyeur. Petit conteneur, voilà. Hop, on va fermer ça. Et on va le construire. Voilà. Ce qui va m'éviter, comme ça, de devoir tout transporter sur moi. Donc je vais pouvoir poser ça, ça, ça. Et voilà. Déjà, on s'est débarrassé de ça, c'est pas mal. Sachant que là j'ai fait une bêtise qui fait que je consomme énormément de glace. Ah non, c'est bon, la porte est fermée. J'ai rien dit. Mais bon, on voit que le nombre de glace a déjà baissé. Mais j'ai le temps d'archiver tout ça. Enfin de le poser plutôt. Du coup on va réparer ici. Maintenant qu'on y est.
Hop. Enfin non, on va. Je vais plutôt continuer de réparer en dessous du vaisseau. Puisque c'est quand même l'endroit le plus critique. Puisqu'il y avait quand même une fuite d'oxygène dans le. Dans la salle, si on peut dire ça. Je me demande si c'est pas d'ailleurs pour ça qu'on perdait de l'oxygène. Hop, hop. On va ressouder tout ça. Voilà. Et il manque déjà de les plaques. Comme quoi, j'en prends jamais assez. Au niveau du convoyeur, il manque des moteurs. J'ai pas ce qu'il faut pour faire ça. Je pense que si on fait un shift click, ça nous donne plus. Ça nous en fait peut-être 100, j'en sais rien. On va voir ça. Ouais, c'est ça, ça nous en fait 100. Bon, j'en ai demandé 400. De toute manière, j'irai reminer au prochain épisode si ça convient pas. Mais ça devrait aller. Et on va le laisser faire son petit job. Je vais prendre les 200 plaques quand on sera à 200. Hop. Et après, je vais le laisser continuer de travailler tout seul. Tiens, d'ailleurs, ça semblait que c'était réparé pourtant. Voilà. Il y a toujours les panneaux solaires qui sont ici. Mais qui sont pas très bien orientés, on voit bien. Et on va retaper ça. Voilà. On a retapé ça. Et maintenant... Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Oxygène rempli par bouteille. Juste ici, il manque plus grand-chose, en fait. Par rapport à en dessous, je veux dire. Il manque plus qu'à reformer cette petite cabine. Enfin, l'ancienne cabine, je dirais. Là où se situe l'assembleur. Hop, je remplis, je répare ça. Sachant que moi, j'adore réparer, redonner la forme au bloc. Je sais pas, c'est quelque chose qui me fait marrer. Voilà. On avance bien, mine de rien. On fait ce qu'on a à faire. C'est-à-dire, on refait le vaisseau. Enfin, du moins une partie. Voilà, ce côté-là, c'est bon. Ah non, il reste ce petit... Ouais, non, c'est bon, c'est juste un effet de lumière. Ce côté-là, c'est bon. Là, c'est la salle des convoyeurs. Hop. Quelques petits soucis ici. Voilà. Et de ce côté-là, ça a été un peu moins touché, j'ai l'impression. Ou alors, non, je crois que je l'ai déjà réparé juste avant, c'est pour ça. Ça me paraît plus logique. Voilà. On commence à être bien, là. Il manque juste encore des choses à réparer. Bon, ça va pas se faire tout de suite. Comme ça, ça me donne à peu près une idée de comment était fait le vaisseau avant. Et puis, je peux pourquoi pas commencer à le reconstruire. Du moins, poser les fondations. Voilà, ça c'était juste un petit peu abîmé. Ça aussi. Hop. Donc là, c'est au niveau de la raffinerie que les murs ont été touchés. Et voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Et je propose tout simplement de commencer à poser une rapide structure. Donc on va poser le tout en gris pour éviter de tout casser. Et on verra après ce que ça va donner. Hop, hop, hop.
commencerai à souder ça après. Là, c'est juste pour me redonner une idée de comment je devrais faire la structure. Hop. Voilà. Là, on part sur une petite symétrie. Refaire la même chose. Là, on va partir sur un petit truc différent. Enfin, non, pas du tout, en fait. On va refaire la même chose. Hop. Là, il faut tirer tout ça jusqu'à là. Pareil pour ici. Et là, ça sera un petit bloc. Je vois mal, pas comme ceci, mais comme cela, voilà. Et après, c'est tout simplement comme ceci. Là, il y a un bloc. Jusqu'à là, c'est à peu près pareil. Je dirais même c'est pareil. Ah non. Là, il manque un bloc rouge. On va le mettre rouge directement. Hop, voilà. Et du coup, ici, c'est bon. On est à peu près sur, sur la même base. Juste, pour moi, personnellement, je rajouterais une petite pente comme ça. Je change la couleur en gris. Et je l'installerai comme ceci. Une autre comme ceci par-dessus. Et du coup, là, ça ne devrait pas être... ça devrait pas être un petit bloc comme ça. Hop. Ça devrait pas être un bloc comme ça, mais... Hop. Ça devrait être un bloc... comme ceci. Une petite plaque inversée. Hop. Et là, c'est pareil. Une plaque inversée. Ici, on fait la même chose. Enfin, pas... On finit avec des angles pour compléter ça. Et... Tac, tac, hop, 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 hop. Et là, il faudrait pareil compléter ça. Avec ça. Pareil pour l'autre côté, on va faire ça. Ah non, en fait, j'ai rien dit. J'ai fait une bêtise. C'était pas ça, c'était un angle. Comme ceci. Hop. Qui sera complété d'un autre angle. Comme ceci. Voilà. Donc on a déjà refait ça. Ça me paraît être pas mal. On pourra à la limite changer la couleur après si ça convient pas. Et donc là je pense que on va... Je vais souder tout ça. Et après on passera sur sur la prochaine vidéo. Enfin pour le prochain épisode. Et là on a déjà 300 pièces. Mais je pense que ça suffira pas. Du coup je vais refaire 200. On verra si on arrive au compte ou pas. Hop, et on va commencer à souder tout ça. Donc on va commencer par cette partie-là. Hop. Ah oui, c'est vrai. J'avais pas fait attention tout à l'heure. Il me fallait un peu plus d'énergie. Projeté par l'air, évidemment. J'espère que niveau glace on est bon. Mince, je me suis trompé de touche, je voulais faire Alt.
Donc après, faudra peut-être que je m'occupe de la salle du dessus, de mettre un éclairage dedans, ça serait sympa. Ça y est, on est à 100 d'énergie, je peux ressortir. Faire un petit éclairage, ah, une pluie de météores. Le mieux, ça serait de rester à l'abri, mais bon, si j'ai pas envie de perdre tout le schéma que j'ai fait, ce serait vraiment embêtant. Ouais, le soleil est là. Ouais, en fait, j'ai pas du tout confiance là. Je vais me... Ouais, là, on voit bien que ça a tapé là. Ça a tapé au-dessus. Et je crois que c'est fini. Ouais, ça a l'air fini. C'est bon, c'est fini. L'assembleur n'a pas été touché, la raffinerie non plus. Ça a été touché. Ouais, c'est fini, hein. Que je m'en prenne pas un dans le dos. Donc c'est surtout juste là que ça a été touché. Et là, ça a viré mon bloc. Donc je vais refaire ça tout de suite. Enfin là, ça a complètement déformé la structure, je dirais plutôt. Hop. C'est pour ça qu'il va falloir finir ça assez rapidement. Mais c'est vrai que les pluies d'astéroïdes, c'est pas tout le temps. Puisque j'ai mis un environnement normal, je crois. Ce qui fait qu'il n'y en a pas tout le temps. Encore heureux d'ailleurs. Ah, il manque des plaques d'acier. Donc c'est bien ce que je pensais, il n'y en aura pas assez. Je vais en relancer 400 dans l'assembleur. Parce que sinon, on va pas y arriver. Ah, je prends des dégâts, je crois. Eh oui. Et pourquoi je prends des dégâts? Ah, j'ai enlevé mon casque. J'ai enlevé mon casque, je sais pas comment j'ai fait. J'ai enlevé mon casque. J'ai aucune idée de comment j'ai fait. Et du coup, je vais respawn à pas... Je sais pas où je vais respawn. Ah là 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 là. Là, je suis très très mal. Du coup, je vais faire une petite coupure pour revenir au vaisseau. Et je vous dis à tout de suite. Re tout le monde, grâce à la magie, je me suis retrouvé à côté du vaisseau. Non, en fait, j'ai modifié ma position pour me rendre juste à côté. Donc, j'ai retrouvé le vaisseau. Et j'ai découvert en même temps la touche qui permet d'enlever le casque. Donc, c'est J. On voit bien casque off. Et quand je rappuie, casque on. Et donc, je reprends ma santé tranquillement. Voilà, donc c'est quand j'ai fait une fausse manip en voulant appuyer sur K, j'ai appuyé sur J. Et j'ai perdu toute la vie. Du coup, là j'ai remarqué qu'on était déjà à une demi-heure d'épisode, je trouve que ça fait un peu long. Sachant que je m'étais fixé une limite à 20 minutes. Et là on est déjà quasiment à 40 minutes. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. Et donc on continuera de souder tout ça lors de la prochaine vidéo. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.